ici, c'est que quelques jours de cela, nous avons gagné dans sa région-là, une grosse appli, une tombée dans un petit espace là-dedans. Et de ce fait, il est dans un débordement, et un débordement occasionne, donc il a fait bien affecté donc, la région. Juste pour capable d'apprécier, dans un endroit, dans quelques heures, il y en a plus que 380 mm la pluie qui vient tomber. Donc, on a constaté, infrastructure qui finit endommagée, qui finit muraille qui finit endommagée, et là, il y a une retail wall qui finit drainée. Et je rappelle que à ce moment-là, c'est dans même la route qui est bloquée parce qu'il y a beaucoup de débris qui sont dans la route. Donc, les travaux ils commencent à faire déjà le plus tôt possible. Et là, ils continuer. Et nous sommes bien sûr en bonne disposition pour qu'ils nous remettent en infrastructure comme on disait. Mais surtout en tenant compte aussi de fait qui va nous gros l'appli capable d'occasionner encore à l'avenir et qui va pour faire pour capable pas éviter ça va le problème là. Nous finissons aussi visiter une famille qui est sur la case endommagée. Nous avons quand même quelques familles qui sont sur la case endommagée. La police peut faire un constat pour certifier. Donc, et là aussi, le gouvernement, à travers le Prime Minister Philippe Fan, nous donne un coup de main pour capable de soulager sa famille-là. Et là, nous venons ici pour joindre quelques plantaires. Donc, on va nous trouver ce carreau complètement abîmé. Donc, le ministre de l'Agriculture là, le ministre Bobby Ram présent, les trois députés de la circonscription aussi. Et bien sûr, nous pouvons travailler ensemble pour nous capables, là aussi, apporter un soulagement à sa bande plantaire là. Parce que toute bande plantaire qui est enregistrée, évidemment, nous avons des schemes qui sont en place. Mais bien sûr, nous pouvons être par rapport à l'étendue et des autres plantations qui sont affectées. Qui viennent de tout un support, de câble, recommence cette activité.